La constipation peut être due à de nombreux facteurs, comme par exemple le stress, la déshydratation, le manque de fibres ou encore un système digestif un peu paresseux. Pour y remédier, il est important de boire beaucoup d'eau et d'avoir une alimentation riche en fibres. L'exercice régulier peut aussi faciliter le transit intestinal. Voici quelques postures qui permettent de dénouer les intestins. Debout, les pieds à la largeur des hanches, étirez les bras au ciel en inspirant, puis entrelacez les doigts en expirant, paume des mains vers le haut. Inspirez pour vous grandir, puis transférez le haut du corps sur le côté en expirant. Inspirez, revenez à la verticale, puis expirez de l'autre côté. Répétez plusieurs fois. La posture du palmier permet de faire de l'espace dans l'abdomen et d'activer les viscères. Allongez-vous ensuite sur le ventre et déposez les avant-bras au sol dans la pose du bébé cobra. Inspirez en étirant la colonne et expirez en effectuant une rotation de la tête et du dos vers la droite. Inspirez pour revenir au centre avant de changer de côté. Répétez ces mouvements autant de fois que désiré. Tournez-vous ensuite sur le dos et pressez le genou droit sur la poitrine. Prenez quelques respirations avant de changer de jambe. Ce mouvement aide à se détendre et à mieux respirer, tout en massant doucement l'abdomen. Toujours allongé sur le dos, dessinez des cercles sur l'abdomen avec vos mains. Enchaînez avec des mouvements de vagues pour finir avec des petits mouvements du bout des doigts dans les régions de l'abdomen qui seraient sensibles ou tendues. Cette technique de massage du ventre est très efficace pour détendre les intestins tout en douceur. Pour terminer, asseyez-vous et pliez le genou droit afin que le pied touche le fessier gauche. Déposez ensuite le pied gauche à l'extérieur du genou droit. Si les deux ischions ne touchent pas le sol, allongez la jambe droite. Enlacez le genou avec le bras droit, roulez l'épaule gauche vers l'arrière avant de déposer la main derrière. Suivez le mouvement avec le regard, inspirez en pensant à étirer la colonne et expirez en vous tournant davantage. Après quelques respirations, changez de côté. Déposez le pied droit à l'extérieur du genou gauche. Enlacez le genou avec le bras gauche, roulez l'épaule droite vers l'arrière et déposez la main proche du bassin. Respirez profondément. Il est important de garder le dos à la verticale dans la torsion assise. Cette posture aide à délier les intestins sans compter qu'elle a des vertus détoxifiantes. Si vous souffrez de ballonnement, de constipation ou de maux de ventre, n'hésitez pas à pratiquer cet enchaînement aussi souvent que nécessaire.